Dans nos perspectives pour cette année, nous envisageons de juguler les défis identifiés dans les domaines de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la participation citoyenne dans les affaires du pays. Nous allons canaliser tous nos efforts sur le développement du capital humain, la lutte contre la pandémie du COVID-19, l'éducation et la protection sociale. Nous allons mobiliser les citoyens pour assurer la sécurité alimentaire, développer l'agrobusiness et nous pencher aussi sur les logements sociaux, la protection de l'environnement, la réinsertion des rapatriés, la poursuite de l'autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes, ainsi que le renforcement de la coopération avec les autres pays et organisations tant régionales qu'internationales. Nous poursuivrons en même temps et dans le même élan les autres chantiers comme la consolidation de la paix et l'état de droit.